Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un œil de chat, ou si vous préférez, un œil étiré. Alors, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à aller vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, c'est parti! Pour la première étape, nous allons prendre notre bronzer ou bien un brun, ça ne dérange pas, avec un pinceau fluffy. Je vais venir l'appliquer dans le coin de mon œil en faisant de petits cercles. Et petit à petit, je vais commencer à venir l'étirer vers l'extérieur de mon œil. Et je vais venir aussi définir le creux. Par la suite, avec un pinceau plus plat, je vais venir appliquer un beige sur toute ma paupière mobile. Une fois que c'est fait, je viens appliquer le même beige dans le coin interne de mon œil pour vraiment le définir et qu'il paraisse vraiment plus long. Et maintenant, c'est là que les choses se corsent. Nous allons prendre un pinceau liner précis et mince avec du noir et nous allons faire un trait de liner. Il faut vraiment être très précis. Et je ne vais pas faire le trait sur toute ma paupière, je vais juste faire à l'extérieur. On veut que ça fasse vraiment très naturel. C'est pour cette raison que nous avons pris un fard et non un eyeliner liquide. Vous voyez, mes yeux sont déjà bien plus allongés. Maintenant, nous allons prendre un eyeliner en feutre, de préférence brun, parce qu'il va moins paraître, ça va faire plus naturel. Moi, ce sera celui de Lise Wattier. Et je vais venir allonger le coin interne de mon œil. Il faut vraiment être très précis. Je trace une petite ligne ici et ensuite je vais venir le relier aux extrémités. Et puis, pour pas que ça apparaisse trop, je vais venir prendre le beige de tout à l'heure et venir tapoter dessus pour que ça fasse vraiment naturel. Je recouvre mes cils. Et je viens appliquer du mascara. Il faut en mettre le plus vers l'extérieur et moins à l'intérieur. C'est très important de ne pas appliquer de mascara sur les cils du bas parce que ça va tout gâcher le travail qu'on vient de faire. Voici le look final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller la liker, la commenter et allez vous abonner. Bye!